Bonsoir, mes belles âmes, et bienvenue sous votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, Marie Fatma, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, inconditionnel. Tu donnes sans condition, sans attendre. D'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à ascensionner, oui, ascensionner. Tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi. Ce soir, belle âme, sur 21 avec Marie, je vais t'inviter à prendre du recul, puisque nous sommes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance, comme j'ai l'habitude de le dire. Les guidances sont là pour te divertir dans un premier temps. Prends les messages avec vraiment le discernement également. Adapte à ta situation. Dis-toi bien que, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent. Donc, prends uniquement ce qui résonne en toi. Je vais t'inviter également à liker, à partager et à laisser un petit commentaire. Alors, comme tu as vu, ces derniers jours, nous sommes vraiment dans des énergies puissantes. Et quand je vais recevoir cette guidance, je serai amère pour faire les soins énergétiques. Donc, concentre-toi. Écoute bien la guidance et va au-dedans de toi. Demande à ton Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette guidance? Quel est l'enseignement? Quel est le message ?» Mais comme celle d'hier, elle va être hyper détaillée. J'espère tout simplement qu'elle ne va pas couper comme les horoscopes ont coupé. J'ai fait des guidances d'horoscopes et je me suis rendu compte que je parlais, il n'y avait rien. C'est pour cela que vous allez avoir des horoscopes qui vont arriver avant les autres parce que je vais essayer de les finir avant de partir, bien sûr. Mais en même temps, il faut du temps pour le montage et je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, je vais les monter quand je serai partie à mer et je vous les mettrai au fur et à mesure. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu leurs horoscopes, c'est tout simplement parce que les vidéos ne sont pas enregistrées. J'ai parlé des heures pour rien. Donc, bref, ce n'est pas grave. On va les refaire, d'accord? Et vous allez les avoir peut-être après les autres, évidemment, parce que je ne peux pas, je peux pas faire la magie non plus. Je ne suis pas magicienne. Donc, on va suivre le cours des choses. S'il y a des gens qui nous sabotent et qui ne veulent pas que les messages viennent, là-haut, ils vont les mettre au moment venu. Quand tu reçois cette guidance, c'est au moment exactement où tu dois la recevoir. Donc, dis-toi que Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, si vous avez regardé, j'ai mis deux énergies. C'est-à-dire, hier, il y avait cette énergie. Si l'empereur était là hier, l'empereur qui avait vraiment un côté borgne et l'impératrice était là. Donc, j'ai inversé les positions, les polarités, pour qu'on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette énergie. Mais avant de démarrer, je voulais d'abord vous lire un message que j'ai préparé pour vous ce soir, sur 21h avec Marie. Soyez les bienvenus, soyez bénis tous abondamment à tous égards. Et bien sûr, je ne pourrais démarrer cette guidance sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui me suivent et qui sont sur cette chaîne depuis le début. Que l'Esprit Saint vienne opérer maintenant chirurgicalement tous les bobos, tous les besoins et qu'il répare ce qui doit être réparé, qu'il laisse partir ce qui doit partir et qu'il apporte ce qui doit venir dans votre vie, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. Ici, je vous ai préparé un message qui parle de bénédictions prophétiques. Comment on reçoit les bénédictions prophétiques? On vous dit grâce et vie éternelle. Bien-aimé, grâce et vie éternelle. Tout ce que nous touchons, il faut le savoir. C'est pour ça que je l'ai préparé pour que tu le comprennes. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, dis-toi que tu es né pour briller. Born to shine. Born to shine. Nous l'avons ici sur cet oracle. Born to shine. Ok, c'est écrit born to shine. Tu es né pour briller. Ok. Alors, tout ce que nous touchons est ils laissons nos empreintes. Si nous touchons la vie d'autres personnes,
si nous touchons la vie d'autres personnes, ce soir, ce 21 avec Marie, tu dois comprendre, Bella, mais si nous laissons notre identité en eux, alors qu'est-ce que tu veux laisser à ces personnes? Est-ce que tu veux laisser à cette personne une identité positive ou négative? Parce que peut-être que tu n'auras pas d'autres occasions de la revoir, de réparer des erreurs. Peut-être que demain n'existe pas pour toi, ou pour elle, ou pour lui. Tout ce que nous touchons, nous laissons nos empreintes. Nous laissons notre identité en eux. La vie est encore meilleure quand d'autres sont heureux grâce à nous. La vie est encore meilleure quand d'autres sont heureux grâce à nous. Moi, je peux vous dire que pourquoi je suis enthousiaste d'être ici ce soir. Pourquoi j'adore travailler pour Papa Céleste. Parce que quand je rends les gens heureux, je me sens heureuse. Quand je lis les commentaires, les gens me disent, Marie, depuis que je te suis, j'ai fait un travail sur moi. J'ai commencé à prier. Il n'y a pas meilleure bénédiction que ça. Il n'y a pas meilleure récompense que ça. De voir que tu rends d'autres personnes heureuses. Ce soir, ce 21 avec Marie, la vie est encore meilleure quand d'autres sont heureux grâce à nous. Est-ce que les gens sont heureux autour de toi grâce à toi? Pose-toi la question. Retourne-toi, regarde. Est-ce que je rends les gens heureux? Si c'est le cas, ton cœur va déborder d'amour ce soir, à l'instant même où je te parle. Tu vas sentir comme une rivière d'avalanche d'amour. Et si les gens ne sont pas heureux autour de toi, pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne va pas? On parle de ton énergie. Tout ce que nous touchons se transpose sur les personnes qui sont autour de nous. Alors, quand tu touches quelqu'un et que cette personne, à la fin, est malheureuse, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas avec toi. D'accord? Et pose-toi la question, quelle vibration j'ai? Qu'est-ce que j'élève comme vibration? Ne te mens pas à toi-même, pose-toi la bonne question ce soir. Est-ce qu'autour de moi, les gens sont heureux? Est-ce que quand je passe quelque part, je rends les gens heureux? Est-ce que je laisse une bonne empreinte? Quelle vibration j'émets? Ce soir, ce 21 avec Marie. La vie est encore meilleure quand d'autres sont heureux grâce à nous. Rien dans la nature ne vit pour soi-même. Rien dans la nature ne vit pour soi-même. Les rivières ne boivent pas leur eau. Non. Les arbres ne mangent pas leurs fruits. Le soleil ne brille pas pour lui-même. Vivre pour les autres est une loi de la nature. Vivre pour les autres est une loi de la nature. Peut-être que tu es l'aîné d'une famille aujourd'hui et que tu passes ton temps à te plaindre. Oui, ils me demandent trop, ils sont toujours à me faire ci. Oui, il y a un juste milieu, je suis d'accord. Mais ne te plains pas parce que si on t'a mis à cette position, c'est parce qu'on sait que tes branches peuvent se déployer et aider d'autres personnes, nourrir, abréver les soifs, guérir, soigner les malades, purifier. Est-ce que je me plains d'être là, en train de partir, faire les soins à gauche, à droite, faire des prières à Lourdes, monter, descendre? Je ne me plains pas. Parfois même, je ne sais même pas où on m'envoie. Parfois, je ne sais pas où on m'envoie. Dernièrement, on m'a envoyé dans le sud. La dernière fois que je suis partie, je devais partir chez un ami passer quelques jours avec ma fille. Et finalement, je me suis retrouvée en train de faire un soin énergétique. Je ne savais même pas que j'allais le faire. On appelle ça les missions de dernière minute. Et quand tu es au garde-à-vous avec Papa Céleste, il te lève parce qu'il sait que tu es un enfant obéissant. Et quand tu es un enfant obéissant, tu reçois tes récompenses. Soyez au service de Papa Céleste et n'essayez pas d'être cette personne qui veut tout pour elle. On te dit que les rivières ne boivent pas leur eau, les arbres ne mangent pas leurs fruits et le soleil ne brille pas pour lui-même. Ce soir, ce 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre que la générosité est le chemin de l'abondance. Quand on te donne et que tu prends, tu gardes toute voix et tu ne partages pas aux autres, tu bloques l'abondance. Et après, on se plaint qu'on ne reçoit pas. Il y a des personnes comme ça. Pour leur enlever un sou, il faut leur couper le bras. Ce soir, ce 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre quelque chose ici. Oui, vivre pour les autres est une loi de la nature. Nous sommes nés pour nous aider les uns les autres. Je me souviens de ce monsieur que j'ai croisé en vacances. Peut-être qu'il me suit, peut-être qu'il ne me suit pas, peut-être qu'il va arrêter de me suivre. Et que le Seigneur a mis sur mon chemin.
Et je n'ai pas réfléchi parce que j'ai tout simplement été là au service de Papa Céleste. Mais parfois, les gens, est-ce qu'au fond de lui, au fond de toi, est-ce que tu as compris que c'était un chemin spirituel, que tu devais t'accrocher pour ton salut? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Quelqu'un doit comprendre aujourd'hui que nous ne sommes pas là pour vivre pour nous. Quand on te met les gens autour de toi, c'est qu'on a compris que tu avais des capacités. Mais si tu as peur, la peur, c'est l'énergie la plus basse, tu n'iras nulle part. Et tu vas passer à chaque fois à côté de tes chances, à côté de tes chances. Et à un moment donné, Dieu sera épuisé de te donner des secondes chances. Parce qu'à un moment donné, la seconde chance devient la millième chance. Et à un moment donné, la millième chance va juste s'effacer. Ce soir, sur 21h avec Marie, on nous dit, le soleil ne brille pas pour lui-même. Vivre pour les autres est une loi de la nature. Nous sommes nés pour nous aider les uns les autres. Quelle que soit la situation dans laquelle je te trouve, continue à être une bénédiction pour les autres. Est-ce que les gens, quand ils sont partis de chez toi, est-ce qu'ils ont été heureux? Est-ce qu'ils sont partis avec tes bonnes énergies? Est-ce que tu les as rendus heureux? Est-ce que les gens, quand ils sont rentrés en contact avec toi, est-ce qu'ils ont été heureux jusqu'au bout? Est-ce que tu as fini ta mission, celle que tu étais censé faire? Ce soir, ce 21 avec Marie, c'est pourquoi je prophétise ce soir à quelqu'un qui doit l'entendre, au nom précieux de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, que tu es né pour donner le bonheur et non pour le garder pour toi et non pour hacher le bonheur des gens. La santé, la joie et la prospérité de ton entourage font partie de ton chemin. Le chemin, oui, à la fin de la journée, tu reprendras tes actes seul, mais sur le chemin, tu as des protagonistes, on appelle ça des compagnonnages, sur lesquels tu dois faire attention. Et bien sûr, on ne te dit pas de marcher avec les gens qui sont en compagnie de moqueurs. Et la Bible te dit bien au psaume 21, au psaume 1, autant pour moi, peut-être que le psaume 21 a quelque chose à voir ici ce soir. Le psaume 1, que heureux celui l'homme qui ne marche pas en compagnie de moqueurs. Tu es libre de te détacher des gens qui sont moqueurs, de prendre du recul, mais regarde bien autour de toi, explore bien. Et si tu ne t'es pas trompé de personne en fait, même s'il s'agit de tes enfants, même s'il s'agit de ta femme, même s'il s'agit de ton mari, même s'il s'agit de tes parents. Si on a des parents toxiques, parfois il faut les faire savoir. Si on a des enfants toxiques, parfois il faut les faire savoir. Et ainsi de suite. Parce que notre lumière doit luire ainsi devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres de notre Père en nous. Mais si tu acceptes de marcher avec l'ombre et de cautionner ce que l'ombre fait, mais tu deviens l'ombre toi aussi. C'est tout simplement ça en fait. Ce soir, sur 21 avec Marie. Le psaume 105, verset 15 et 1 Chronique 16, 22 dit, écoute bien ce qu'on te dit. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Je suis allée quelque part et les gens se sont amusés à venir m'attaquer. Je vais vous dire une chose, mes belles âmes. Je ne défends pas les gens, je n'interdis pas les gens de m'attaquer. Hein. Même ceux qui viennent me regarder, là, les anciennes copines là, qui viennent me regarder. Je sais une chose, c'est que je suis le joker de Dieu. Et je suis son ouin. Et j'ai vu des gens tomber comme des mouches raides mortes parce qu'ils m'ont attaqué. Je vous jure sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher, que si vous aviez l'habitude d'attaquer les gens autour de vous, ou des gens que vous suivez. Ici, le conseil, c'est de ne même pas essayer. Pas parce que je suis forte, mais parce que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le psaume 105, 15 et 1 Corinthiens 16, 22 dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Certains blocages dans ta vie, dans la vie des gens, arrivent parfois. Parce qu'ils ont déshonoré leurs parents. Certains blocages arrivent dans la vie des gens parce qu'ils ont déshonoré leurs parents.
D'autres arrivent parce qu'ils ont touché aux oins de Dieu. Ce sont les deux choses où Dieu interdit. Il dit ne touchez pas à mes oins. Ce sont la prunelle de mes yeux. Si tu touches à mes oins, en fait, je pense que je vais vous inviter à aller voir ces passages pour que vous compreniez exactement ce qui va vous arriver. Donc ce soir, ce 21 avec Marie, si quelqu'un est fâché contre ses parents, si quelqu'un, quel que soit ce que tes parents ont fait, trouve le moyen de le réparer avant que tes parents ne meurent. Et s'ils sont déjà partis, va demander une méditation de grâce et commence à faire un travail vraiment profond. Parce que la Bible nous dit, tu honoreras ton père et ta mère. On n'a pas dit tu honoreras ton père et ta mère s'il est bon ou s'il est, il écoute ce que tu dis. Peu importe comment ton père est, on t'a dit que tu honoreras ton père et ta mère. Moi, je sais que les gens viennent chez moi en guidance. Et quand souvent certains, je vois des blocages, je dis, ah, là, il va falloir aller reparer les histoires avec tes parents. Je ne peux pas. Je ne suis pas responsable. Ce n'est pas pour moi. Tant que tu n'as pas fait ça, on ne peut pas te soigner. On ne peut pas t'aider. Parce que ça, c'est quelque chose que personne n'a le droit de soigner, à part Dieu. Mais quand Dieu lui-même laisse, il n'y a rien qui peut se passer. Et sachant que c'est Dieu qui me donne l'aval ici, donc même à moi, il me dit, certaines situations, tu ne touches pas. Les gens doivent aller reparer ce qu'ils ont fait avec leurs parents. Ou contre leurs parents. D'accord? Voilà. Ça ne veut pas dire que les parents... On me dit, mais si les parents sont ci, les parents sont ça, laissez Dieu, c'est lui qui gère. Mais toi, tu n'as pas à te mettre contre tes parents. C'est interdit. La Bible interdit. Je te le dis. Donc ce soir, sur 21 avril, je ne sais pas qui me comprend, qui m'écoute, mais j'ai passé le message. Merci les guides. On va donc rentrer maintenant sur cette guidance qui va être hyper, hyper détaillée. Je vais utiliser des tarots, des oracles, et on va avoir des conseils. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, on va commencer par ce tarot. Les têtes de joker. On va demander l'énergie. Ici, je vais demander aux gens de se sentir à l'aise de choisir l'énergie qui les correspond. Là, c'est l'énergie masculine. Là, c'est l'énergie féminine. D'accord? Chacun choisit. Je n'ai pas dit ton autre et toi. L'énergie masculine, l'énergie féminine. Ce soir, sur 21 avec Marie, on commence par l'énergie masculine. Le fou. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à... Ah, j'ai une carte là-dedans qui est venue se mélanger. On va l'écouter. 2, 3. Ce masculin... Ce soir est à terre. Au niveau énergétique, il est à terre. Vous voyez, il y a deux cartes qui sont arrivées là et qui n'ont rien à faire là-dedans. On parle de quelqu'un qui est dans la mini-mort, qui souffre, qui est malade, qui est fatigué, qui a besoin de repos et qui doit déposer un fardeau. Ce fardeau, il n'y a que Dieu qui peut t'aider à le décharger. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être c'est ton autre, peut-être c'est toi, monsieur. Mais on parle de masculin. Avec le fou ici, il y a urgence à aller déposer un fardeau. Quelqu'un qui regarde... en arrière, qui est dans la nostalgie, qui regrette quelque chose, qui a la mélancolie, qui pense à quelque chose aussi, et la nostalgie de je ne sais pas de quoi, en tout cas du passé. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va aller sur la féminine. Qu'est-ce qui se passe sur la féminine ce soir? Qu'on nous donne plus d'informations. La justice. Une féminine qui veut la justice. Quelque chose qui a été injuste envers la féminine. Cette féminine, c'est une impératrice. On a l'empereur et l'impératrice. Hein. Voilà. Et cette justice, c'est une justice divine. J'ai la Vierge Marie, j'ai la justice. Ça, c'est la coupe. Donc, il y a quelque chose ici qui doit être réparé. Chacun adapte à sa situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu ne fait pas de combine. Non. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai le diable. Un homme ici à qui il a peut-être l'impératrice a donné son amour et qui l'a maintenu dans le diable. J'ai le diable et cet amoureux. Quelqu'un ici qui est venu te donner son amour, mais qui est venu avec une énergie basse, en fait, pour l'impératrice. Quelqu'un qui t'a apporté de la lune, d'accord? Puisque ici, nous avons quand même un masculin qui vient donner son amour à une impératrice. Ça, c'est le valet, hein? C'est un chevalier de coupe avec le diable qui t'a mis dans une énergie basse. Ça, c'est ça la magie noire. Que ce soit volontaire à ce masculin ou involontaire, ça, tu l'as chopé chez ce mec-là. Il a une entité que tu as chopée. D'accord? Ou autour de lui, ou chez lui, ou dans sa maison. Ce soir, ce 21 avec Marie, on va demander. Dans tous les cas, nous avons la Vierge Marie. Nous avons l'empereur derrière. Hein.
La trahison, quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a ghosté peut-être aussi, comme disent les jeunes, qui est parti comme un voleur, qui n'a pas assuré un caramel et qui l'a fait de manière délibérée, qui savait ce qu'il allait faire de toute façon, c'était déjà prémédité. Ça, ce n'est pas un hasard, ok? Voilà, le diable, c'est pas étonnant. Tu as la victoire. Il n'a que les cartes pourries, cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un a les cartes pourries là et l'autre a les cartes de la protection. Les guides sont avec toi, donc cette énergie, elle restera pas longtemps parce que tu as la victoire. Pour le moment, tu restes dans l'amour et c'est ce qu'on te demande de rester dans l'amour. Malgré les combats, il y a eu des combats internes là pour une impératrice. D'accord? Tu es protégée par tes guides. Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus ici pour l'empereur? Un empereur qui est triste, un empereur qui. On va demander un peu plus quand même. Merci les guides. Qu'est-ce que cet empereur peut nous dire ce soir? Quelqu'un qui vous envoie des énergies, hein? Quelqu'un qui vous envoie des énergies. Cet empereur envoie des énergies ici, la 4 d'épée. Deux fois la mini-mort. Deux fois la mini-mort. C'est quelqu'un qui est mal. Ma foi. Qui a besoin de guérir. C'est quelqu'un qui est à l'auto-sabotage peut-être aussi. On me dit si c'est quelqu'un qui n'a pas assuré un caramel par rapport à quelque chose que Dieu lui a donné. Il n'a pas assuré un caramel. Pas du tout. Ok? Voilà. Ce soir, je suis 21 avec Marie. Une reine de bâton à l'envers. Il y a une femme là qui est dans le lien. On va nous dire un peu plus par rapport à cette femme. Qu'est-ce que la femme a fait par rapport à l'empereur et à l'impératrice? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les messages reviennent, les mêmes messages reviennent, et à un moment donné, il va falloir se réveiller, hein, faire quelque chose. Hein. Sauf si tu veux mettre des œillets et tu veux faire l'autruche. Il y a une femme, une reine de bâton là. Justice pour cette reine de bâton. Et ici, on a la 10 de bâton. Une personne qui a fait quelque chose contre soit l'impératrice, soit l'empereur, soit les deux, et qui aujourd'hui, il y a la justice contre elle. On va vous décharger de ce fardeau parce que ce n'est pas le vôtre. On va lui remettre son fardeau, quelque chose qu'elle a fait de pas bien, parce que la justice, elle ne vient pas comme ça. Tout à l'heure, on a vu la Vierge Marie et la justice. D'accord? Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, reste dans l'amour. On t'a dit ça. Et l'amour va t'amener vers la victoire. C'est une personne qui a été faire des apprentis sorciers, elle a fait des gris-gris, des machins, des trucs sales là. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu as les guides, tu as l'étoile sur le diable. Et tu as la victoire. Tu as la victoire sur les combats qui ont été assez houleux. Hein. Ici, il y a des communications qui viennent. Tu vas apprendre des choses par rapport à cette trahison. Quelqu'un va te dire, on va t'appeler peut-être, tu vas peut-être recevoir aussi un mail ou un courrier. Quelqu'un va t'avouer des choses ici. Ça va te permettre déjà de te décharger, de te soulager. Si les gens ont menti, la vérité va sortir. C'est ce qu'on me dit ici, ce soir, sur 21 avec Marie. Pourquoi? Parce que ici, la source est au contrôle. Les guides sont là, l'étoile. Tu as l'étoile. On me dit l'étoile de David. Eh oui, on t'a amené le déséquilibre. Tu as rencontré quelqu'un que tu as voulu aider, qui t'a amené un déséquilibre et qui a voulu te mettre dans cette énergie de 8 d'épée. Mais toi, t'es pas comme ça. On ne peut pas t'attacher à un endroit. Tu es parti. Tu es comme l'anguille. Tu as glissé entre les mains de cette personne. Parce que tu es non seulement une reine de denier, tu es une impératrice, mais tu es une reine de denier. Et tu adaptes, peut-être c'est toi, monsieur, hein, puisqu'on est dans l'énergie des deux personnes. Ici, quelqu'un attend pour retrouver une vie chaleureuse dans une maison. On parle peut-être du roi d'épée, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un avec qui tu ne communiques pas aujourd'hui. Et on parle du chariot. Hein. Il y a un nouveau départ là. Ce soir, ce 21 avec Marie, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce couple? Il y a une personne qui dort très mal à cause d'un enfant, qui se dit, mais comment on a pu me faire ça? Comment j'ai pu accepter ça? Dans le lien. Et cette personne a envie de se bloquer avec son enfant et a envie d'être juste avec elle ou avec cette personne. Mais ce qu'on te dit ici, demande au guide. Le blocage ici, moi je dis toujours, c'est pas bien de bloquer les gens. Quand tu bloques les gens, tu les bloques dans l'énergie aussi. On te dit que tout ce que tu touches, quand tu touches les gens, tu transmets quelque chose à ces gens. Il faut prier pour cette personne. S'il y a des personnes qui ont fait des choses malveillantes, malsaines, on te dit, la Bible dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je me souviens toujours de ma belle-sœur. L'été dernier, quand je suis allée passer les vacances dans la famille de mon mari, et qui est venue me postillonner devant, qui me parlait, qu'elle me détestait, qu'elle m'emmerdait, etc. Elle a été surprise quand je lui ai dit, tu sais pas ce que tu fais, je te pardonne. Elle était choquée.
Et je pense que le pardon déstabilise l'ennemi. Quel que soit l'ennemi, hein. Mais se bloquer contre cette personne, ça ne sert à rien. Il faut pardonner. Mais au lieu de se bloquer, c'est de savoir désormais comment tu marches avec cette personne. Qu'est-ce que tu peux lui dire, qu'est-ce que tu peux pas lui dire. Préserver ton énergie aussi. Parce que tu es trop accessible. Tu es là, les gens rentrent en toi comme, le couteau dans le beurre. Tu es trop accessible. On parle des enfants ici. Hier, ça ressortait avec les enfants. Il y a un enfant là qui est avec quelqu'un, quelqu'un de pas bien. C'est peut-être ta fille qui est avec un homme pas bien ici. Il ressort. Tu fais ce que tu veux de cette information, mais si tu ne demandes pas l'aide des guides, cette personne-ci va la mettre à terre. Quand elle va être déchirée, son cœur va être déchiré, tu vas la ramasser comme un lambeau. Alors, commence à demander qu'on la libère de cette énergie. Ça, c'est quelqu'un qui est fourbe, qui va la laisser en plein carrefour, comme une merde. Et sache que si tu as été comme ça avec des femmes, c'est peut-être toi qui as transmis cette énergie à cet enfant. Si tu as fait ça aux gens, on va faire la même chose à ta fille. C'est une information, quelqu'un doit le prendre ici. On parle qu'il y aura un blocage sur cet enfant, sur cette personne, avec cette personne. Alors, évidemment, comme je dis, chacun paye ce qu'il donne. Chacun reçoit ce qu'il donne. Mais s'il s'agit d'un parent et d'un enfant, le parent a le pouvoir de libérer. De libérer. La mère a deux fois le pouvoir que le père. Mais si la mère a trempé ses mains, si c'est une maman qui a trempé ses mains dans des choses négatives, ne lui donne plus aucune occasion qu'elle refasse quelque chose sur tes enfants. Parce qu'elle va les détruire. Elle ne transmet que le mal. Je l'ai vu de mes propres yeux, avec tes familles. Quand on a une maman qui est toxique, elle ne peut plus transmettre. Son énergie s'arrête là. Parce que tout ce qu'elle va transmettre, c'est que le mal. Mais si tu as un papa, toi là, et que tu as entendu ça, ce message aujourd'hui, demande avec urgence ici de l'aide. Ou pour toi-même, si tu as vécu ça avec tes parents, avec une maman. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a un apprentissage à faire là par rapport à cette épreuve. Quelque chose à apprendre. Ici, quelqu'un qui devait partir d'un endroit qui ne peut pas partir. Il reporte. On te dit de prendre, de faire le bon choix. Si tu penses que le fait de rester là, ça va t'aider, c'est ton problème. Si tu penses que le fait de partir, ça va te permettre de guérir, de te libérer, c'est aussi ton problème. Moi, je donne les messages, chacun connaît sa fille. J'ai ici le magicien. Tu peux devenir le magicien d'ose, de changer ta vie, parce que tu as le pouvoir de le faire à base de prières, à base de nettoyage énergétique, des soins. Tu as eu trois fois la 4 d'épée. Trois fois la 4 d'épée. C'est le cauchemar. C'est la mini-mort. C'est le burn-out. C'est la dépression. C'est quelque chose ici où il va falloir demander de l'aide. Le monde ici, on vous apporte quelque chose de nouveau, si vous le voulez, et de solaire. Peut-être par une impératrice, je ne sais pas. Cette impératrice qui ressort ici. On va recouvrir une personne qui est forte. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce que tu dois savoir, belle âme? Toi qui écoutes ici. Tu te transformes de la pauvreté. Cette histoire va te permettre de sortir de ta pauvreté parce que tu as donné. Tu es quelqu'un qui a été dans la générosité. On a fait que te trahir. Te trahir. À chaque fois que tu donnes, tu redonnes, tu refais confiance, on te trahit. Mais grâce au fait que tu es resté tout le temps dans l'amour, on vient t'aider. Tes guides sont là. Hein? Tu les as, ils sont là. Et ils te transforment de la pauvreté. Il y avait des blocages au niveau financier ici. Tu vas vers une prospérité, une abondance qui est sans nom. Grâce à ton bon cœur. La joie et le Graal ici, l'as de coupe. La transformation, c'est la mort. Hein? La mort des anciens schémas, la mort de la pauvreté, la mort de la misère, la mort du découvert. Ça, c'est enterré. On enterre ça ce soir. Eh oui, le jugement ici, les gens qui ont envoyé cette énergie la reprennent en pleine figure. La reprennent en pleine figure. On appelle ça le retour à l'envoyeur méchant. Ce soir, sur 21 avec Marie, un nouveau départ ici, avec l'as de bâton, avec certitude ici, on te dit pour une maison, nouveau départ. Et ce nouveau départ ici, ce que j'entends ici, c'est sans la misère. Je vais recouvrir cette carte. La tour ici, confirmation. On détruit tout ce qui était problème financier dans ta vie.
on détruit tout ce qui était problème financier dans ta vie. Avec certitude ici, ça c'est la carte qui te confirme avec la CDP, certitude que oui, c'est ça. Il y a un roi des bâtons là, quelqu'un qui est beau, qui prend soin de lui, qui est sexy, qui est très actif et tout, qui doit tourner le dos à un endroit. Et c'est Dieu qui va l'obliger à tourner le dos. C'est quelqu'un peut-être qui est plan-plan, qui a les deux pieds dans le même sabot, qui a des chaînes au-dessus des pieds, qui a des plombs. On va te tirer de là parce que tu dois partir de là. Et c'est la roue de la fortune qui décide. J'ai ici quelqu'un qui se bat, qui se protège, mais ce n'est pas le moment en fait. Laisse faire l'univers, laisse faire Dieu. Tu ne peux pas discuter avec Dieu. S'il dit maintenant que demain tu ne vis plus, tu ne vis plus. Alors arrête de te battre pour rien. Laisse, on t'a amené sur un chemin, laisse-toi suivre. Pourquoi tu résistes? Tu résistes à quoi? Si demain tu te retrouves, tu es mort, on va te dire, mais tu as tellement résisté qu'on peut faire que tu viennes nous retrouver parce que tu nous fais chier. En fait, c'est ce qu'on va te dire en fait. Donc, laisse-toi suivre tout doucement. Laisse que l'univers t'amène. Où il doit t'amener. D'accord? Tu as vécu des trahisons. Mais ces trahisons-là, elles sont derrière toi. L'harmonie qui vient ici, c'est sans nom. Sans nom. Sans nom. Et j'ai la Vierge Marie qui t'apporte la guérison, la convalescence. Avec quelqu'un de nouveau. Hein, il y a une nouvelle personne qui vient dans ta vie. Et est-ce que si ce couple-ci est séparé parce qu'on a la colère, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? On va demander s'ils vont se remettre ensemble. Ah, j'ai les amoureux. Il y a une guérison là. Il y a l'amour là qui revient. Oui, mais avant ça, il va falloir faire un travail, un soin, un travail énergétique. La tempérance. Un nouveau départ. Oui, beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qu'on peut demander avec ces petites cartes qui restent? Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Allez, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Sortir de leur mythe, sortir de leur cachette, demander pardon, faire des actions de grâce, reconnaître ses erreurs et aller de l'avant avec l'as de denier. D'accord? Se faire plaisir, voyager, profiter, aller passer un week-end ensemble, se faire plaisir et réparer le cœur de l'autre. Si on a blessé un, on a blessé quelqu'un, lui dire pardon. Voilà. Et sortir de cette tristesse. Voilà, il y a un roi de couple là qui doit faire toute cette action. On parle du masculin. C'est à lui que revient cette action. S'il ne la fait pas, l'impératrice ne bougera pas. C'est ce qu'on m'a dit de vous dire ce soir, ce 21 avec Marie. On va prendre cet oracle. Je vais en mettre 9 ici. Et je vais mettre 9 là-bas pour qu'on nous donne plus d'éclairage. La Vierge Marie, elle est par là. Hein. Elle est là. Hein. Je suis l'impératrice. Hein. Donc, c'est à toi de mettre ton action. Elle te regarde. Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. On va mettre 9 cartes pour l'empereur. La culpabilité. OK. Ce n'est pas les deux cartes là que je voulais prendre. Je vais juste les remélanger parce que je ne pense pas que c'était celle qui devait venir. On essaie de m'embrouiller mon jeu là. Non. Merci les guides. La famille. La famille te fait culpabiliser. OK. On va remettre. Il y a la famille qui pointe du doigt à l'empereur là, qui culpabilise l'empereur ou qui fait culpabiliser l'empereur ou une personne. J'ai l'enfant ici, j'ai le compromis et l'évolution d'une situation au niveau de la famille. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'étranger, quelqu'un qui doit bouger. Vous avez bougé d'un endroit où vous êtes. Hein. Il y a les amis là, peut-être qui vont vous aider à comprendre ou à prendre une décision, qui vont vous ouvrir peut-être les yeux, j'en sais rien. Il y a le compromis ici, j'ai les amis. Et j'ai la distance avec les amis également, l'éloignement. J'ai l'hérédité ici. L'évolution au niveau de la famille, l'hérédité. J'ai la protection par rapport à un enfant. Et j'ai les réunions au niveau familial. Il va falloir dire des choses. Hein. Dire des choses. Avec l'évolution, ici, on a quoi? L'amour. Il y a une évolution au niveau sentimental. Et on vous dit que cette personne, c'est un cadeau pour vous, monsieur l'empereur. Monsieur l'empereur qui pense qu'il est un valet. Si tu es un empereur, si on te donne une impératrice, tu dois devenir un empereur. Oui, tu dois devenir un empereur. Sinon, tu peux être plus haut que tu as le cul. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, on prend la même énergie pour l'impératrice. D'accord? Donc, soit c'est toi qui as pointé du doigt quelqu'un là, avec ta famille, soit c'est ta famille qui te pointe du doigt par rapport à un enfant. D'accord? Mais si le compromis, on t'amène vers cet amour, si tu ne fais pas les choses comme il faut, tant pis pour toi. L'impératrice, qu'est-ce qui nous intéresse, l'impératrice? Une impératrice qui a été instable, elle a été déstabilisée à cause d'une trahison, t'as poignardé. Tu
tu as pris ta distance, mais il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi par rapport à une famille. Et on parle d'évolution. On va la refaire. D'accord? Chacun va comprendre son histoire ici aujourd'hui. Et chacun va comprendre que nous sommes caution solitaire. Les paroles. Les gens ont dit des choses méchantes sur cette impératrice. Est-ce que l'empereur était au courant? Il n'a rien dit? Ce soir, sur 21 avec Marie, on a pointé du doigt une impératrice, une belle personne, digne d'amour, une personne qui a apporté de la joie, une personne avec qui tu devais être heureux ou heureuse. Tu as laissé que les gens la malmènent. Il y a un compromis là qui doit se faire. Est-ce que c'est la même carte? Non, il y a un contrat. Et là, il y a un compromis. Il y a un contrat qui va se faire là. Sur les gens qui ont parlé. Le contrat ici, c'est les poignées de main qui doivent se serrer pour que cette impératrice, elle va partir ailleurs. Soit elle part avec toi parce que tu vas la suivre, soit elle part avec quelqu'un d'autre. C'est toi qui choisis. Mais elle ne va pas accepter ces badernes. On parle d'une personne qui est défendue, qui est protégée par les archanges. Il y a un verdict là, par rapport aux amis. Il y a l'argent. Une soie d'argent aussi. Peut-être qu'on a dit, ouais, je ne sais pas moi, il y a des choses qui se sont dites par rapport à l'argent. Il y a des changements, il y a la protection, il y a le retour ici. C'est à vous de voir de quoi est-ce qu'on parle. Je les remélange. La loi. D'accord? La loi divine. On l'a eu tout à l'heure. L'instabilité par rapport à ce que les gens ont dit. Il y a quelque chose qui a failli déstabiliser cette personne. On lui a envoyé de l'instabilité avec la parlotte. D'accord? Les gens ont parlé des racontages. Ils ont envoyé peut-être des courriers, des messages à gauche, à droite pour dire des choses sur cette personne. Des accusations. On va les remettre. Je vais recouvrir. Sur les paroles, il y a un changement qui doit être fait là. C'est soit il y aura réparation entre cette personne et l'autre, soit le changement va être radical, c'est basta cosi quoi. C'est get out of my face. Ça veut dire dégage de mon visage, de ma vue. Ou tu repars les choses ou je m'en vais. Voilà, c'est clair et net ici. C'est toi qui choisis. Par rapport à une maison où on a pointé du doigt quelqu'un. Voilà. Par rapport à une histoire, peut-être de coucherie, de rêverie, des choses qui ont été dites sur un couple ici. Les gens ont parlé par rapport à un amour et ils ont mélangé tout, le sexe, l'amour, etc. Bref. Peut-être que quelqu'un a pensé que c'était juste pour le sexe, en fait. La trahison ici, elle vient de l'intérieur. Des gens que tu connais bien. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'évolution de la situation, j'ai le temps ici, j'ai le retour par rapport à une personne. Cette trahison ici, elle vient de la famille. Je pense que c'est la famille de l'empereur, puisque nous avons la famille ici. D'accord? C'est une impératrice qui est protégée. Hein? Les réunions, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici d'autre? La famille, la clé, la projection, les jalousies, la distance par rapport à ces jalousies. Mais c'est quelqu'un qui aura la victoire, cette impératrice aura la victoire. Soit elle a la victoire avec toi parce que tu vas te aligner dans son camp et vous allez avoir la victoire ensemble, soit elle aura la victoire toute seule. Et on parle d'énergie, hein, que vous ne voyez pas, cette victoire-là, elle va l'accompagner tout le temps. Et ta défaite, elle sera juste que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Rappelle-toi du message, début du message, où je te disais que les rivières ne boivent pas leur eau. Le soleil ne pue pas pour lui. Tu n'as pas fait quelque chose ici pour quelqu'un ou quelqu'un n'a pas fait quelque chose pour l'autre. Or, ça devait être réciproque. Le retard, le boomerang. La femme, l'enfant et la victoire. Tout compte fait, cette personne a la victoire sur des personnes qui ont dit des choses sur elle. Toi, aujourd'hui, tu es là parce que tu sais que tu n'as pas fait les choses comme il faut et que c'est pour ça que tu culpabilises, que tu es dans la nostalgie, dans les regrets. On te demande de te remettre en question ici, toi le masculin qui m'écoute ce soir. Je ne suis pas là pour te jeter les charbons à dents, hein, mais il faut que tu te poses des bonnes questions. Est-ce que cette personne, quand elle est partie de chez toi, est-ce qu'elle était heureuse? Est-ce que tu l'as rendue heureuse? Est-ce que tu as rendu ses enfants heureuses? Est-ce que quand tu as touché son énergie, tu as laissé une bonne vibration où elle peut se rappeler aujourd'hui que tu es quelqu'un de bon? Non, ce n'est pas le cas ici. Puisque tu as laissé qu'il y ait des trahisons sur elle. Qu'on pointe du doigt sur elle. Qu'on dise des choses contre elle. Qu'on brise ses rêves peut-être aussi. Peut-être c'est une personne qui avait des rêves de refaire des enfants, de se remarier, de porter une robe blanche. Toi, tu es venu tout briser. Ce soir, sur 21 avec Marie, chacun reçoit ce qu'il donne. Ce soir, on va demander avec cet oracle, ce tarot, qu'est-ce qui vient? Le monde, nouveau cycle,
Mais comment? Nouveau cycle. Merci les guides. La Vierge Marie, elle est là. Alors, peut-être que tu pries, peut-être que tu as arrêté de prier, peut-être que tu crois. Et tu penses que les choses vont se faire de manière miraculeuse toute seule. Si tu n'invoques pas, je ne te demande pas, il ne se passera rien. Il y a quelqu'un qui doit se faire gronder là ce soir parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait les choses comme il faut. Mais en priant ici, en faisant les choses comme il faut, tu vas pouvoir libérer ces énergies et demander à ce que la restauration divine vienne pour vous, pour un foyer, et être juste ici. Ça, c'est la carte de donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tu as reçu, je n'ai pas donné comme il fallait et tu dois donner là. Ok? Tu as rendu quelqu'un hyper triste, c'est la même carte. Ou ta famille a rendu quelqu'un hyper triste. Je parle du masculin. Hein. Ou peut-être c'est toi qu'on a rendu triste. Hein. C'est possible. Hein. J'ai la tour chez l'impératrice. On va demander avec la tour ici, qu'est-ce qui vient? La tour, c'est une personne qui déborde d'amour. La tour et l'as de coupe, c'est qui déborde d'amour. Elle attire que de l'amour. C'est une personne qui est prête encore à donner son cœur ailleurs et à ce qu'on on le reconnaisse. C'est une personne qui va retomber amoureuse. Soit de toi, soit de quelqu'un d'autre. C'est une personne qui t'a donné l'amour sans condition. Et toi, tu as fait quoi? Tu l'as trahi ou tu as laissé qu'elle soit trahie. Ce soir, ce matin avec Marie, oui, tu peux te prendre la tête. Parce que tu sais ce que tu as fait. Tu as été exécrable. Tu as été odieux. Tu as été horrible avec cette personne. Tu parles masculin. Hein? Et si tu es une femme, on parle bien de ton masculin ici. Il n'y a pas d'ambiguïté. On parle bien de ton masculin. Parce que toi, tu es là. La féminine et le masculin, là. Je veux que chacun se retrouve. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas retrouver la joie féminine. D'accord? Ta joie, personne ne pourra te l'enlever. Parce que tu es forte. Parce que tu es divine. On a essayé de te mettre dans les énergies de la lune, de l'ombre, mais on ne peut pas. Tes lumières, quand tu arrives quelque part, tu brilles. Tu apportes la lumière aux autres. Tu guéris les autres. Tu rends les gens joyeux, heureux. Et oui, c'est ça ton énergie. Tu fais avancer le monde. Le monde de lumière et pas des ténèbres. C'est ça ton essence. Ce soir, ce 21 avec Marie, il y a quelqu'un ici. Regarde-moi ça. Qui essaie de se protéger maintenant alors que c'est lui qui a cherché le diable? Ça ne marche pas comme ça. Dieu t'a vu. Dieu voit tout. Il y a une personne, c'est la reine de bâton là. Elle va recevoir. Elle va payer. Que ce soit une personne que tu aimes, que tu veux protéger, il n'y a pas de ça là-haut. Vous savez, il y a un monsieur un jour qui est décédé et qui arrive au paradis. Il était avec une femme. Regardez comment on a rendu le cœur de l'impératrice. Quelqu'un a le cœur déchiré ce soir. Il était avec une femme et c'est le jugement. Hein. Et sa femme était exécrable, elle était horrible, elle était mauvaise, elle était méchante. Oh là là, c'était pas possible d'être aussi méchante. Ce monsieur, il supportait, il pouvait rien dire. Il était castré. Peut-être que cet empereur est castré par sa famille, qui n'a plus de parole, qui ne peut plus rien dire, qu'il est mou. Et ce monsieur, tellement Dieu a vu sa souffrance, et c'est pour ça que Dieu ne veut pas que vous soyez tiède. Ne soyez pas des empereurs tièdes. Un empereur ne doit pas être tiède. Et c'est pas pour ça que tu vas devenir violent, non. Marie-Fatma ne te demande pas de devenir violent ou violente. Dis les choses tout simplement et n'accepte pas qu'on te marche dessus. Sans violence, bien sûr. Apprenez à parler et être linéaire. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est comme ça. C'est ni haut ni bas. Moi, je me souviens de mon défunt compagnon qui est parti il y a quelques années de cela. Ce monsieur, quand il parlait, il imposait le respect. Imposait le respect. Même avec les enfants, il ne criait pas. Jamais. Il te parlait, c'était comme ça. Et tu te levais toi-même, tu allais faire. Que ce soit avec des salariés, avec ses salariés ou avec... Peu importe. Prenez, ça c'était un empereur. C'était un vrai empereur. On n'est pas empereur juste parce qu'on met des vêtements de marque. Hein? Non. Parce qu'on a une belle voiture, on a une BMW. Bullshit. On est empereur parce qu'on a l'étoffe d'empereur et qu'on la travaille aussi et qu'on le devient. On peut le devenir aussi un empereur. Il y a des gens qui n'est pas empereur. Personne n'est empereur. Mais il faut travailler. Il ne faut pas juste mettre les costumes des autres pour dire « je suis empereur ». Non, ça ne marche pas comme ça. C'est mort. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on me dit de te dire, c'est qu'il y a une personne là, elle a beau se cacher, elle va payer. D'accord? Elle va payer pour ce qu'elle a fait. Elle a fait pleurer quelqu'un, elle a rendu quelqu'un triste, elle va payer. Elle a été faire la magie noire, elle a fait le choix,
de faire ça? De déchirer les cœurs des gens, de séparer les gens de manière délibérée et volontaire, de les mettre dans la ruine financièrement, elle va payer. Aujourd'hui, l'heure est à la réparation de cœur de l'impératrice et de l'empereur, s'ils veulent, bien sûr. C'est à eux de choisir leur camp. Un nouveau départ. Chacun va peut-être partir de son côté, mais chacun aura appris une leçon que être mou, c'est porter le fardeau, non seulement de soi-même, mais celui des autres aussi. Donc je vous disais que ce monsieur, la justice divine est là, hein, il n'en pouvait plus de son épouse qui était tellement méchante que quand il est mort, il a trouvé le repos. Il a trouvé le repos au paradis. Et quand sa femme est décédée des années plus tard, elle a duré longtemps, hein, elle a vécu encore peut-être même 20 ans ou 30 ans. Quand elle est arrivée, elle n'était pas dans la même maison que son mari. Elle le voyait loin, loin, loin là-bas. Elle arrivait, elle dit, hey, « Hé, mon mari, s'il vous plaît, laissez-moi, c'est mon mari. » Non, Marie l'a regardée, elle a dit, « Non, jusqu'à ce que la mort ne sépare. On est mort, n'est-ce pas? Va dans ton chemin. » Il y a des gens qui, s'ils ne veulent pas changer, laissez-les dans leur coin. N'attendez pas de mourir pour pouvoir changer de route. Parce qu'eux, ils vont vous tuer. Ce monsieur est mort de tristesse. Son cœur n'a plus tenu parce que tellement sa tristesse était énorme. On t'amène une impératrice pour te redonner la joie, qui t'aime, qui te donne l'amour. Toi, tu fais en sorte qu'elle parte et tu laisses que les gens vous séparent alors que c'était un cadeau de la vie. Et tu es stupide ou quoi? Come on. Ici, la trois de bâton là, qui est là, c'est soit tu prends le bâton pour te faire taper dessus, soit tu cours pour attraper cette personne qui a envie de traverser le rivage et tu traverses avec elle. Sinon, une fois qu'elle est partie là, la roue de la fortune ne peut plus l'attraper. C'est maintenant qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Sinon, ce n'est même pas la peine de courir. Tu vas finir tes semelles parce que tu ne pourras plus l'attraper. Ce soir, sur 21 avec Marie, demandons à la Vierge Marie qu'est-ce qu'elle nous apporte comme message. Respect de soi. Apprends à te respecter. Je ne sais pas pour qui je parle, ou c'est pour toi, ou c'est pour toi. Mais je pense que je parle plus que c'est à l'empereur. Il va dire que mais tu pourrais que je me charge. Ce n'est pas une guidance à charge hein, ce soir. C'est juste la vérité. On dit respect de soi, bien fait. Il y a des bienfaits là qui viennent pour vous. Respect de soi. Je vais lire la carte. Regarde, vous avez eu des cadeaux, chacun. Si tu as le cadeau, elle a le cadeau. Vous étiez le cadeau de chacun. Vous deviez vous regarder en face, vous tenir la main et avancer comme deux anges, deux colombes que Dieu a choisies pour pouvoir apporter la lumière au monde. Et toi, t'as chié au lac. Honnêtement, ma foi, ce soir, sur 21 avec Marie, respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Quelqu'un doit comprendre ce qui doit se respecter. Ne plus laisser les gens te piétiner, te marcher dessus, te prendre pour ce que tu n'es pas. Jamais de la vie. On ne te respecte pas, tu fermes la porte et tu la claques même. Bam! Go! Excusez-moi, mais je parle comme ça. Hein? Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, les bienfaits, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ok. Honnêteté, quelqu'un doit être honnête. S'il y a eu des mensonges, il y a eu de la vérité qui n'a pas été dite dans une situation et il faut absolument dire la vérité. Sinon, il n'y a rien qui va se réparer là. Je vous dis ça. Je suis au contact de mes sentiments véritables et de cette situation. Continue à cacher les gens qui mentent. Tu portes le fardeau de tout le monde. Et je peux te dire que ce ne sera pas que le fardeau, mais ils vont te rajouter le tien aussi. Limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Tu attends quoi de la vie? Tu attends quoi de ces gens? Dis clairement les choses ici. Communiquez. La communication ici doit être fluide pour que quelqu'un sorte de l'ermite ici et des blocages. Si tu ne communiques pas, tu vas rester comme ça, comme ce roi de paix. Oui, tu vas voir ta vie passer, défiler comme ça. Tu vas regarder les autres être heureux. Tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi je suis malheureux? Parce que tu as fait le choix d'être malheureux. Personne ne t'a obligé. C'est ton choix. Et la prière résout-toi ces problèmes. Prière. Au lieu de me tracasser, maintenant, j'ai compris que je me suis foutu dedans, que j'ai merdé. Je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation, pour que je sorte des blocages. Le choix ici, c'est à toi de voir. Il y a plusieurs possibilités. Soit tu choisis d'avancer, soit tu restes où tu es et tu t'embourbes. Tu peux rester dans la résistance et la force. C'est ton problème. Tu peux choisir de partir vers Dieu. Il va t'aider pour te faire retrouver l'amour, la convalescence, la guérison. Cette reine de bâton ici, là, c'est une personne qui attend que tu viennes donner ton amour encore à nouveau. Mais si l'histoire est terminée, c'est terminé.
Alors, sois clair avec cette personne, sois honnête et dis-lui, lâche-moi dans l'énergie. J'ai choisi quelqu'un d'autre, je pars avec quelqu'un d'autre. D'accord? Peut-être que tu es un roi de bâton, un roi de denier, peut-être que c'est toi la femme ici qui veut partir avec un roi de denier. Dis à ton ex ou dis à ta famille, fichez-moi la paix. Peut-être que c'est ta famille qui te bloque au niveau financier. Dis-leur, fichez-moi la paix, j'ai fait mon choix. C'est mon roi de bâton, c'est avec lui que je veux partir. La victoire ici, tu n'auras que si tu dis les choses. Si tu ne dis pas les choses au niveau énergétique, rien ne va bouger. Il faut dire, il faut parler, il faut prononcer. On dit qu'au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Si tu ne dis pas les choses comme cette reine de coupe, qui parle, qui lève les mains vers le ciel, lève les mains vers le ciel, regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle. Avant que l'ombre ne revienne. Oh mon Dieu. Le conseil ici de cet oracle te dit quoi? On va leur offrir. Il y a un conseil là pour vous deux. Chacun doit prendre un conseil. Ah, il y en a deux pour l'impératrice. On va essayer de demander peut-être une deuxième pour l'empereur. Ok. Le conseil ici, on va commencer par l'empereur, peut-être non? 21. Tu peux aller lire le psaume 21. Le psaume 21, va le lire. Va le lire. Je suis à la hauteur. Quelqu'un te dit ici qu'il est à la hauteur d'être ton homme ou d'être ta femme. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, on parle de l'énergie masculine. Et en fait, vous êtes un miroir là, opposé. Il y a quelqu'un qui est opposé à l'autre. Puisqu'on a la carte 21 et la carte 12. Donc, c'est vraiment l'opposé. Pour l'instant, ça ne va pas là. D'accord? Je suis guidé par le divin. Donc, il y a quelqu'un qui est guidé par le divin et l'autre qui dit, je suis à la hauteur. C'est comme si vous vous regardez, c'est-à-dire que ça, c'est l'impératrice qui est venue parler à l'empereur, alors qu'on a demandé 2-4 pour l'empereur. Donc, l'empereur n'arrive même pas à parler et dire les choses jusqu'au bout. On est obligé de finir ses phrases. Madre de Dieu. Ok, l'impératrice. Je pardonne sans mal. Donc, c'est l'impératrice qui a le cœur sur la main. J'ai le droit. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être heureux, j'ai le droit d'accompagner ce qui je veux, j'ai le droit de trouver une tranquillité, j'ai le droit de vivre également mon bonheur, j'ai le droit de gagner mon argent comme je veux sans qu'on me juge, j'ai le droit d'être avec des amis que je veux sans qu'on me juge, qu'il y ait un verdict sur moi, j'ai le droit de voyager, j'ai le droit de faire plein de choses. Allez, ici je suis digne, quelqu'un qui dit je suis digne, je suis prête à recevoir quoi? L'amour, le bonheur, la joie, la bonté, la grâce, je suis bénie. Il y a une personne là qui sait qu'elle est bénie. Ok? Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie, un dernier message de Jésus ici. J'espère que la vidéo ne s'est pas arrêtée. Alors, ici, l'empereur, la carte est tombée à l'envers. C'est quand même quelque chose que la carte de Jésus soit à l'envers. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que tu pries ou tu as arrêté de prier? Il y a quelque chose là où tu es trop tombé dans les énergies basses et la lumière est partie de chez toi. Donc, ici, la carte de Jésus est à l'envers. On a déjà eu ça hier, on a embrouillé les cartes de Jésus ici. Fais attention peut-être parce que tu as accepté de coopérer avec le diable. Si tu coopères avec le diable, cette impératrice ne restera pas à côté de toi parce qu'elle est dans la lumière. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 3, verset 9, autant pour moi. Je vais redemander une ici pour l'empereur. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, monsieur, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et se transporterait. Matthieu 17, verset 20. Va lire le psaume 21, peut-être le psaume 12 aussi. Il y a deux psaumes à lire ce soir, monsieur, mesdames. Ici, nous avons l'impératrice. On te dit à l'impératrice, toi, ma belle impératrice, on te dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Je n'invente pas, les cartes sont là, vous les voyez comme moi. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu et c'est dans Marc 4, verset 11. Merci Jésus pour... Waouh, l'impératrice. Et on te dit... Car quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Ça, c'est pour le collectif ici. Et il vous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 18. Ça, c'est pour les deux. D'accord? Et pour terminer, chère impératrice, on te dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 12. Verset 22, pardon. 21, verset 22, ça doit parler à quelqu'un. Le 21 et le 22, ça doit parler à quelqu'un. Ma foi, il vous dit ici, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et derrière, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28, verset 20. J'ai les lunettes pourtant. Hein. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et pour terminer, il vous dit,
On revient à la guidance initiale. Il vous dit le Seigneur ici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé dans Jean 13, 34. Rappelez-vous quand on vous a dit de vous aimer les uns les autres, de donner. De donner comme une rivière donne son eau sans la boire, comme le soleil donne, le soleil brille pour les autres sans lui-même profiter. Donner comme les arbres ne mangent pas leurs fruits, donner pour recevoir. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Jean 13, 34. Et c'est pour ça que je suis aussi ici sur cette chaîne, à donner, à donner, à donner, sans compter mon temps. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, reçois ta bénédiction, la grâce divine et accepte tout simplement les changements qui viennent à toi parce qu'il y a quelque chose qui va être rapide là pour toi. On te dit que tu es né pour briller. La victoire ici, tu vas l'avoir hein, par rapport à cette personne. Soit elle va suivre tes pas, soit elle va rester dans son coin et toi, tu es né pour briller. Tu es né pour briller. Born to shine. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Mesdames, ce soir, on parle de private relationship. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, ta vie sentimentale, familiale, sociale va être un bonheur explosif. Donc, choisis avec qui tu veux faire ton parcours. Ne pars pas avec des bras cassés. Si tu as un empereur qui n'a pas de couilles, tu dégages avec un gros coup de pied. S'il veut apprendre à devenir empereur, il vient à tes côtés et tu lui apprends comment on tient les couverts à table, comment on parle, comment on se tient droit et comment on devient un empereur. Un empereur n'est pas qui veut. Et on dit souvent, derrière une grande femme, il y a un grand homme. Et derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc, serrez-vous les coudes, avancez ensemble si vous le voulez. Si cette personne ne veut pas, il y aura quelque chose et quelqu'un pour toi, pour quelque chose de meilleur. Tu ne seras pas seul, tu ne finiras pas ta vie seul. Il faut que tu le saches. Prends bien soin de toi, belle âme. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente soirée en compagnie de Jésus, de Marie, des archanges, des apôtres et de tous ceux qui t'accompagnent dans la lumière. Parce que tu es lumière, que ce soir, tu vas briller de mille feux. Parce que c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Born to shine. Et il te dit quoi? Tout ce que vous demanderez par la prière, sachez que vous l'avez reçu. Demande et ta victoire est là en face de toi. La famille, il y a un foyer là. Tu vas gagner. D'accord? Et même tu gagnes en prospérité financière, l'abondance. Ce soir, sur 21 avec Marie, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Prends bien soin de toi. Et comme je vous ai dit, les horoscopes vont arriver parce que ça s'est coupé. Donc, ça va arriver un peu tard parce que je n'ai pas pu les monter avant de partir en mer. Puisque cette guidance, je vous l'ai fait, je ne suis pas encore partie. Mais je n'aurai pas le temps de tout monter. Je vais le monter quand je partirai pour vous les mettre au fur et à mesure parce que tout a été coupé. Donc, ceux qui n'ont pas encore eu leurs horoscopes, soyez patients. Ne commencez pas à me demander, Marie, mon horoscope, parce que sinon, je ne vais même pas les mettre. Voilà. J'en ai marre que les gens soient toujours à demander, demander. Je donne sans condition. Alors, recevez tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne et namasté à vous, mes belles âmes de lumière.